Many of us have money, have the dirt, and have the needs. Quand les premiers croyants chrétiens sont débarqués sur nos rives, ils ont planté une croix près du bois, près du nouveau monde, en tant que mémoire de la foi en ton Fils et la puissance de sa résurrection, plaçant ainsi leur vie sous ta protection maternelle et te fait des mains comme l'Immaculée Conception. Tu nous montres comment mener une vie exempte de péché dans le Christ Jésus. Et par notre baptême, nous espérons partager pleinement avec toi la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Tu nous as accompagnés tout au long de notre chemin à travers l'histoire, en temps de paix, de conflit et de réconciliation, jusqu'au moment où nous sommes parvenus à un sentiment plus fort d'unité d'appartenance à la patrie. Pleine confiance, nous venons à toi aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Rassemblés dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous passons complètement dans le sanctuaire de ton cœur et confions le passé, le présent et l'avenir du Canada à tes soins maternels. Pour cette raison, moi, Monsieur Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, je le mets dans mon cœur immaculé la portion du peuple de Dieu qui m'a été confiée. Avec les autres archevêques, métropolites, évêques et abbés du Canada, je consacre aussi tout le peuple de notre pays à ton cœur maternel qui nous enseigne à faire confiance au projet de l'amour de Dieu. Immaculate Mother of God, we find ourselves at a crossroads in our history. We are grateful for advances in science and new discoveries, yet we know the human heart is tempted by selfish interests and false ideas about the human pursuit of freedom. Help us as Catholics to live in peace with all people of goodwill and to dialogue with respect and friendship. Loving Mother of our Lord, help us to uphold religious freedom in Canada and the natural rights of parents and families. Inspire us to protect the unborn, help the poor, the marginalized, and to give support to the infirm and elderly. Weighed down at times by our concerns, but hopeful for the future, we turn to you, the new Eve, Mother of all the living, for help and for strength. Your Son is the beginning of God's new creation, and you are His masterpiece. Intercede for our churches, for all our people, especially the Indigenous peoples, the first stewards of this land, Canada, and all who come here to live, take refuge, or visit. Together we pray, Ensemble, may the cross of your Son plant on Canadian soil and in Canadian hearts, be known as a tree of life, whose fruit is visible and available to all in our garden of this world. Mary, our Mother, we place our country, Canada, in the sanctuary of your holy heart, for we know that there we will find Jesus, who lives and reigns with the Father, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Saint Marie, Saint Mère de Dieu, Saint Pierre de Dieu, Mère du Christ, Mère de l'Église, Saint Cœur de Marie, Cœur du Mécré de Marie, Étoile de la Mer, Notre Dame de l'Arc d'Amour, Thank you.